Voilà, comme vous pouvez le voir ici, on est sur un site Ecoil Énergie qu'on peut qualifier à l'abandon. C'est le site du château, on voit d'ailleurs le château d'eau. Et on... Et on est au bord de la route nationale hein, qui mène à Dolisie, voilà, et à Brazzaville de l'autre côté. Voilà. Ici, il y a encore quelques semaines, il y avait des tracteurs agricoles exposés. 4 ou 5 tracteurs agricoles de la marque Ito. De façon surprenante, ils ne sont plus ici, ces tracteurs. Vous voyez, vous avez un camion... Vous avez un véhicule de liaison, puisqu'il n'y a plus de besoin. Voilà. Donc, et puis l'herbe pousse. Donc les tracteurs, en fait, pourquoi ils ne sont plus là? Parce qu'en fait, ce sont les tracteurs qui ont été rapatriés sur camion à Brazzaville pour faire l'illusion de la réception de l'usine de tracteurs à Maluku. Voilà, c'est des tracteurs qui étaient en place ici depuis l'année 2017 au moins. Donc ça fait 6 années, ces tracteurs, hein, qui ont lentement vieilli ici sans travailler, et qu'on amène là-bas à l'usine de montage toute neuve en annonçant que ce sont les nouveaux tracteurs, la nouvelle usine. Voilà la réalité du Congo et la réalité du message passé par cette société aujourd'hui devenue fictive, comme on peut le voir ici, pas d'activité.